Are you filled with feelings of self-doubt? Do you find yourself prone to minimizing massive dilemmas? Or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? No. At the Pierce Institute, our patent-pending Somnisculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. Somnisculpt, we'll make your dreams come true. Allô? Bonjour, on se retrouve sur Superliminal, un jeu qui est dans le Game Pass. Ah oui, d'accord, ça commence. Un jeu qui me faisait de l'œil depuis un bon moment, en fait, en vrai. Sur lequel je sais pas grand-chose, à part qu'il y avait des visuels stylés. Mais au final, ça fait un moment que j'avais vu ces visuels-là, donc j'ai des souvenirs, bah justement, voilà, de salles qui tournent, plus que de salles qui... Voilà, j'ai des images très très vite fait, très bizarres, mais j'ai rien vu du jeu quasiment, enfin, j'ai juste vu des trailers. Donc voilà. Mais déjà, il y a des... Non, je voulais pas... Ah, bon bah j'ai signé les... j'ai signé les termes de service. Je voulais pas faire ça. Je veux lire, moi, je veux lire ce que j'ai fait. J'ai fait une connerie, c'est sûr, j'aurais pas dû signer. On est dans un hôpital psychiatrique ou je sais pas quoi là, de ce que j'ai cru comprendre avec l'intro. On est dans un centre de bien-être. Non, c'est bon, tout va bien, je peux me retourner, il se passe rien. Ah, je flippe maintenant. Alors, je me suis mis à la... Je sais pas pourquoi j'ai pris la manette instinctivement, mais j'ai pris la manette. La perception et la réalité. Oui. Bah, de toute façon, voilà, j'ai cru comprendre que ça allait être un jeu qui allait beaucoup se baser sur la perception. Voilà, par exemple, là, je ne vois plus les pions. Donc, ils n'existent pas, vu que la perception est la réalité. Ouais. Ah, bah oui, voilà. Mais voilà, oui, non, mais oui, bien sûr. Plus de problème. Ok. Ah, oui, attendez. Ah, ouais. Bon, presque croix tout jump là pour moi, mais... Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Bien sûr. Il y a une règle en fait pour les rendre petits ou grands ou... Je sais pas. Je les mets hors de la salle, ils sont petits. Ça, j'ai compris. Ah, Allô? Ah, d'accord. Il faut que je fasse quelque chose, mais... Ah, oh, il grimpe tout seul un peu. Pas d'objet après ce point. Ah oui, je peux pas traverser avec... Mais si je pose l'objet... Je peux pas... Ouah, il est devenu encore plus petit. Attendez, mais... Est-ce que je peux le faire grossir, l'objet? Ah, je sais pas, c'est pas clair. Est-ce que je peux le récupérer à travers? Non. Ok. Ouais. D'accord, donc... Bah, en fait, si, il va falloir que je réussisse à emmener l'objet. Attention, c'est la première énigme. Hein. C'est la première énigme, je me sens déjà con. C'est beau. Ah ouais, je peux le... d'accord. Quoi? Mais attendez, ah ouais, non mais il se passe des dingueries en fait. Niveau la perception, c'est une dinguerie dans ce jeu. Ah oui. Alors attendez, est-ce que là ils disent pas d'objet, mais... Parce que c'est pas clair, là je le pose là, il est posé là-bas quoi. Peut-être que dans le miroir, peut-être que dans un des miroirs, je vais voir un objet. Non, je peux pas le récupérer. Attendez, est-ce que... En fait, du coup... Comment je le fais grossir ce truc-là, cet objet-là?
Comme ça, ouais, voilà, là, il devient de plus en plus gros. Bon. Ok, je crois que je commence à peu près à comprendre le délire autour de la perception du truc. Mais est-ce que, en gros, est-ce que je peux le récupérer dans un reflet? Genre là. Non, j'ai pas l'air. Ah, mais je suis... Bah oui, mais non, mais... Du coup, oui, j'avais con... Oui, non, mais c'est là, c'est celui-là qu'il faut récupérer, du coup. Moi, j'essayais de guaquer le... La porte, mais... Mais en fait, non. Donc là, faut genre faire un truc en mode comme ça. La mettre au plus loin possible. Ensuite, se rapprocher. Refaire pareil. Ok. Je commence à comprendre... Je commence à comprendre un peu le jeu. Je crois. Waouh. Ouais, l'illusion. L'illusion d'optique. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Oui. Please note that I am the standard orientation protocol, and oui, that GLaDOS. My voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. Mm-hmm. I do not care. D'accord, tu t'en fous. Très bien. Ok. Donc c'est là qu'il faut que je le place, genre là. Pour l'instant, on avance. Pour l'instant, ça se passe bien. Maintenez la gâchette gauche pour pivoter. Ah! Ah! The cake is a lie. Ouais, c'est plus the cheese is a lie, mais... ça va passer, là? Ouais, ça passe, hein. Incroyable, hein. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Uh-huh. Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Ah, ouais, mais complete il me the remaining orientation activities. Oui. Mais d'accord, je ne me suis pas réveillé. Il faut que j'arrête de il faut que je joue. Continue de jouer. Ah. D'accord, je peux Ouais. Le soda du rêve. Warning. You have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a key node in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Quoi, mais genre y a une énigme là? Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouah. Attendez. Attendez. C'est un succès, ça. Ça, je reconnais. Donc, j'ai caché. Bon, c'est pas un succès, mais... Mais comment j'ai fait ça, moi? J'ai mis juste J'ai juste mis le cube là-dedans. Ouais, non. En plus, il est là, le cube. Ma foi. Je sais pas comment j'ai réussi à déclencher ça. Mais par contre... Ah oui, non, mais si, d'accord, ok. Ah ouais, donc là, j'ai le choix. Là, on me laisse le choix, genre. Là, je pourrais faire ça. Ou je pourrais voir ce que c'est de faire usage de la force, quoi. Hein? Attendez, je pouvais interagir avec un truc. Ah oui, je peux prendre du soda. Ok. Ah. Je crois que c'est cassé. Ah mais je peux pas. J'ai pas le droit du tout. Il y a pas de chemin. Non, c'est juste pour dire ouais non, te réveille pas. Enfin, suis le chemin pour te réveiller. OK, maintenant on a des ombres miroirs cassés. D'accord. Oh, il faut que ce soit plus petit que ça.
Ok. Mais du coup, il doit y avoir d'autres trucs cachés en fait à des endroits. Mais bon. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. J'aurais jamais dû signer, hein. Eligible for a gift card. Mm-hmm. J'aurais jamais dû signer dans cette merde. Oh, faut casser la fenêtre. Non, mais non, il faut aller récupérer. Ah bah non, je peux pas récupérer comme ça. Ah. Vidéosurveillance ? Comment ça ? Les gens... Ah, hein ? Oui, bah ouais, les gens sans objet après cette ligne iront bien. Les autres, non, quoi. Bon, comment je récupère l'objet ? Comment je vais faire traverse ? Ah bah, oui, d'accord. Non, il faut qu'il soit le plus gros possible. Tac. Oui, mais... Ah, il y avait de l'idée, là, je crois. Après, j'ai peut-être... j'ai peut-être une chance en faisant un truc... En faisant ce que j'ai fait tout à l'heure, là, l'OOB qui m'a projeté sur la... Merde. Non. Y a moyen. Je suis sûr, y a moyen. Je sais pas comment je fais pour faire mes sous en avant là. Mais je suis sûr que si du coup moi j'arrive à aller en haut. Ah bah c'est bon là, voilà. C'est bon. Ouais. Manger des pommes. Bon, la sortie est par là. Ou elle est par là. Elle est pas par là, visiblement. Mais au secours, c'est... Ah, mais c'est un labyrinthe. Ouais, c'est un labyrinthe. Ouais, c'est un labyrinthe. Ouais. Bon, bah, allons vers la sortie. D'accord. Celle... Ok. Donc ça ouvre ça, et l'autre se trouverait... Là déjà, premier problème, je vois aucun objet. Deuxième problème, comment je suis censé faire ça là? Parce que j'étais en train de me demander s'il fallait pas que je réussisse à chourer un objet quand même. Mais parce que là on voit rien, on voit pas d'objet. Ouais, il y a forcément au moins un objet dans la salle, quoi. Ah bah voilà, je peux récupérer le panneau. Ah, je crois que j'ai une idée pour la suite. Pour l'instant, on va faire ça. On va voir si on n'a pas un autre, quand même, de panneau. Bah si, oui, mais il y a un autre panneau, mais je pourrais jamais le récupérer. Ah, je peux pas récupérer celui-là. Je peux pas récupérer tous les panneaux. Voilà, du coup, j'imagine que ça, il faut que ce soit suffisamment gros. Voilà. C'est bon. Ouais, c'est vraiment le jeu de la perspective, quoi. En tout cas, pour l'instant. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Ouais, bah alors, déjà la porte est une brique. Oui, bon bah d'accord. Ah oui, non mais d'accord, oui, partout. Partout c'est en train de s'effondrer.
C'est vraiment bien foutu, hein, parce que ça se veut très naturel. Allez, hop là. Ah oui, d'accord. J'ai tout, vraiment tout cassé, quoi. Tout cassé. Par là, c'est la sortie. Je peux pas prendre un mur en brique. Je peux pas me prendre un mur en brique dans la gueule. Eux, ils voudraient que je fasse ça. Ah ouais, bah... Voilà, non, ça marche pas, on est d'accord. Bon, j'ai gardé mon fromage, puisque je me sens plus en sécurité avec. Si jamais je vois des forces armées, je peux poser mon fromage en opposition. C'est pas un réveil violent. C'est pas un réveil violent, je me suis... J'ai compensé la chute avec mon fromage. Donc, le dormeur doit se réveiller. Il est 3h du matin. Ah ouais, toujours mieux. Donc quand on dormait, il était Ah non, il était minuit, il était pas midi. C'était 12 AM. Donc il devait être minuit. La petite sieste, hein. Suite A, suite B... Ah non, suite F. Ah. Ah, ça doit être tous les trucs cachés. J'imagine. J'imagine que pour chaque pion que tu récupères, tu remplis ça. Peut-être. Vu qu'il n'y en a qu'un. Mais je sais pas. Finalement, il est pas 3h. Oh! Ah, est-ce que la perspective marche ici aussi? Ah merde. Il faudrait peut-être se réveiller là. Drôle de réalité quoi. Après c'est pratique hein, si on avait ce pouvoir dans la vraie vie. Une petite canette, tu fais un énorme fût. Ok, ah ouais, ça ressemble un peu à des images dont je me rappelle. Enfin, un truc rouge, quoi. Mais du rouge. Du rouge. Ok, bon, l'exit est là. Oh, elle a une drôle de tête, cette salle. Je sais pas pourquoi elle a une drôle de tête. Elle a une drôle d'allure. Push bar to open. Voilà. Hein? Ah, est-ce que... Non. Comment on fait? Comment je fais pour avoir l'impression d'être... Pourquoi la chambre 473, elle a cette... Ouais, bon. Je sais pas comment je suis censé passer ça pour l'instant. Ah, la sortie a été temporairement bougée. Bon bah. Non mais je veux aller... Laissez-moi sortir. Waouh. C'est vraiment trop bizarre comme... C'est vraiment trop bizarre comme perception, je trouve. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment bien foutu en vrai. Attends, on dirait un truc sans objet. Non. Ah non, il doit y avoir la barrière du sans objet aussi, je pense. La sortie est par là. Donc allons par là. Ah, mais ça me rend fou. Parce que voilà, parce que si tu suis, ça tourne en rond. Je tourne en rond. Bon, suivons les panneaux sortis. Ah! Si je dis que la sortie, elle est là. Non, ça marche pas. Franchement, ça serait pas mal, ça. Hop, la sortie, elle est ici, quoi. Je peux les prendre tous, ouais.
Ah oui, non, mais d'accord, mais en fait, oui. Oui. Ah, ça me fait beaucoup rigoler, ça, je vous avoue. Les trucs là immenses là qui tombent, ah, bam! Il veut pas faire de pont. Ouais, on accepte ça. Ah. Ah, je suis pas dans le. Je suis plus dans le jeu là. Je sors d'Elemet. Ah, c'est possible. Mais en même temps, j'ai pas compris ce que j'étais censé faire de manière logique si jamais je devais faire autre chose, quoi. Donc, enfin, en fait, j'arrive pas à savoir s'il y a genre deux chemins au secours ou si c'est vraiment ce qui est prévu par le jeu, quoi. Oui, je suis un pirate. Voilà. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. Oui, ah bah ça But oui. not to worry, we're working on it. C'est tout? Ah. Ah ouais, ça me rassure vachement. C'est la même. Oh, attendez, si je... Ah ouais! Alors j'ai voulu le faire parce que je me suis dit tiens on peut faire ça mais je m'attendais pas à ce que ça me crée un objet quoi. C'est cool. C'est cool comme mécanique. Ouais, bon les proportions. Attendez, il y a un truc à faire hein, non? Ah ouais, ça sent la perspective qui va créer un objet. Je vois aucune perspective où malgré le cube entier. Putain, non, je vois pas. Hein. Je vois pas comment j'ai le cube entier et j'ai la lampe placée au bon endroit, quoi. Parce que pour moi, là, le but, ça va être c'est vraiment de récupérer ce cube, quoi. Sauf que là. Ah oui, il y avait ça aussi. Ah oui, non, mais peut-être que. Déjà, tout bêtement, faire un truc avec ça. Pareil, il y a ça aussi là. Ah. Ah, ok, c'est bon. D'accord. Ok. Ok. Ah oui, d'accord, c'est un cube qui est comme ça, qui est pas entier. Je viens d'en remarquer. Je ne suis pas assez haut. Bah, du coup, je peux le faire. Oui, je peux le faire plus grand, quoi. Donc, je peux grimper dessus. Alors, l'exit. L'exit, elle est là. Faut que je reforme la porte exit. Je peux récupérer l'objet là. La perception et la réalité, ouais. Oh putain. Ouais. Je vois pas comment je vois pas la porte en fait. Je sais pas comment dire. Ah oui, ouais, ça y est, là je vois une porte là. Changement d'ambiance. Est-ce qu'il y a un distributeur? Et un soda. Des rêves Hello, lucides? my name is Dr. Glenn Pierce, and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. Ah ouais, vas-y, We dis-moi. still don't know, but please keep moving forward, and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Non, bah non, c'est de la merde! Me dis pas que je suis.
Non, justement, non, c'est pas. C'est. Non, non, c'est pas. Ça aide pas, tu vois. Quand t'as un mec qui te dit, écoute, je sais que tu veux savoir où on en est, bah où tu es. Bah je sais pas. Vas-y, je vais chercher. Ah, en fait, j'ai fait des recherches. Je sais toujours pas. T'es complètement perdu, hein, mais je préférais te le dire. Non, non, mais dis rien, juste dis, ouais, je continue les recherches. Pour l'instant, ça a rien donné, mais tu vois, je dis. Genre, à propos de ces recherches là, hein, qu'on a fait là. Ouais, pour savoir où t'es là, parce que t'envoies ici, on sait pas où t'es. Super, super. Ah, super. Donc là, c'est pareil, il faut reconstituer la pièce. Ouais, ça avait l'air trop facile, ouais. Ouais, ça avait l'air trop simple, ouais. Comment je fais pour monter? Ah oui, peut-être que je commence par faire un truc genre ça. Genre ça. Et ensuite ça, quoi. Mais je fais quoi avec ce gros pion là? Je peux monter là? Bah non, je peux pas monter. Ah, là, je peux monter. C'est bon. Ta 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 ta. Je le vois venir, donc je récupère au moins un objet là. Veuillez utiliser l'autre porte. Trouvez le passage secret. Je trouve un passage secret là. Merde. Je suis un vrai. Un dé. Incroyable. Il y a d'autres choses dans les poubelles là? Mais ah, c'est. C'était pas par là? Ah oui! Ah oui, en effet, oui. Mais moi, je garde ce dé, il a l'air trop bien. Ah ouais, il y a un pion même sur le dé. Non, ça clignote pas. Ah, c'est des pommes. Ah ouais, c'est des pommes, les numéros, j'avais pas vu. Incroyable. Ah, mais c'est bon, moi je garde mon dé, hein. On est dehors. Attendez, je vais essayer un truc du coup avec mon dé là. Ah merde. Il est trop gros. Ah merde. Normalement, vas-y, bump-moi. Tu peux le faire. Normalement, tu peux me faire bumper là. Fais-moi OB. En fait, faut peut-être que genre je me laisse faire. Peut-être que je me fais expulser justement. Ah non, mais je la vois venir là, la barrière là. Je veux pas me séparer de mon dé. Il est beau ce dé. Il était si beau. Oh, j'adore faire ça. Bon, allez. Au revoir le dé. Rappelle-moi encore une fois que t'es perdu et je t'écoute Hello, plus. my name is Dr. Glenn Pierce, and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. Ouais, en You fait, je suis should also censé m'en find a réveiller, mais variety of non, mais je t'écoute emergency plus. exit signs Mais that should lead you to them. Will all of this work? Ouais, non, Absolutely. mais bon, ouais, en gros, je rêve, j'arrive à me réveiller, mais ils savent pas où je suis. C'est bien, bravo, bravo, bravo. Où aller où la porte? Comment je fais? Comment j'ai atteint la porte là? Il n'y a pas de porte là. En fait, je vois une porte, mais je vois pas de porte. Donc, comment on fait pour voir la porte? Ah, je suis là. Incroyable. Ah, mais ce qui fait que en vrai, tu dois pouvoir genre grimper directement de là à là. De Dream Saints, ça. Bon, on fait comment? Ah. J'ai pu m'amuser avec l'extincteur et c'est tout. C'est.
Je peux activer les alarmes incendies, non? On n'est pas là, c'est pas ce genre de gens. Bah, déclencher une alarme incendie. Je fais des choses. Je vais même en déclencher deux, tiens, allez, vas-y. En fait, je peux faire ça avec tout depuis le début et je m'en rends compte que maintenant, c'est ça. Visiblement. Par contre, ça met toujours pas pour la porte. Ça qui... Ah, peut-être avec les ombres. Qu'est-ce que ça va être, la mécanique, là? Tout ça, c'est parce que j'ai pas écouté le docteur, putain. tout ça parce que le mec, là, il s'est dit, hey, il m'écoute pas, bah vas-y, la porte, tu pourras pas la passer. Non, attendez, peut-être qu'il me disait un truc important et que vraiment, il fallait l'écouter. Juste que vraiment, j'avoue que j'ai pas lu la fin de son dialogue. En fait, les ombres bougent pas. Peut-être qu'après, avec une ombre, je peux faire un objet. Ouais, pareil, l'objet va me permettre de faire quoi? D'aller à la fenêtre, là? Au secours. Mais là, ceci dit, c'est un... Je sais pas, c'est des gros pixels. C'est des gros pixels, genre, ça a l'air d'être important. Mais... Je vois pas comment. Après, ça se trouve, faut que je cherche plus un objet à récupérer que... qu'une forme à reconstituer, hein, mais... Parce que là, surprise, je peux prendre un des tableaux et puis... Enfin, du game, hein. En vrai, je pense vraiment qu'il y a un truc à faire avec les ombres. Mais là, je le vois pas. Mais là, j'ai pas la perspective qui fait que... Je sais pas comment dire. Là, comme ça, je vois pas d'endroit où je me dis... Ah ouais, là, il y a un truc, là. Mais ça doit être sûrement ça, hein. Genre, réussir à faire un cube avec les piliers, là. Peut-être que pas du tout. Que je me fais full bait alors que c'est pas ça. Mais ça se trouve, c'est pas ça, en fait. Ça se trouve, je cherche pour rien. Et du coup, c'est normal que je trouve pas comme ça. Je sais pas pourquoi, là, je le sens bien, là. En fait, là, il y a... cette séparation qui fait que... J'ai vraiment l'impression que tu peux y voir un cube, quoi. Oh, la belle bleue. C'est quoi ça? Attendez, non mais... Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Ah, c'est en train de m'avaler le cerveau. C'est terrible. Ça y est. Sinon, peut-être avec les fenêtres. Parce qu'avec les fenêtres... Ah oui, d'accord. Hein? Allô? Elle a des pouvoirs, la lune? Elle aura un pouvoir. Elle a le pouvoir de flotter. Ah, mais il y a un truc dessus. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and okay. Immediately run away. D'accord, donc je les frappe et je cours. Ok, j'ai compris. Ouais, je peux taper la lune pour qu'elle flotte. Bon, en tout cas, j'ai... Ouais, bah l'élévateur, il a pas marché, non? Ouais. Maintenant que je suis là... maintenant que je suis là... Ah, mais attendez. Ah, mais oui. Mais bien sûr. Oups. Oups. Ah ouais, non, on a tous les outils. Ah oui, non, mais d'accord. Hein, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah oui, bah. Bah oui, c'est plus facile comme ça d'un coup. Mais par contre, quel est... Attendez, non, mais attendez. C'est ça et ça. Non, moi je veux aller dehors. Je veux aller dehors, moi, je m'échappe, hein. La souris s'échappe, hein. La souris, le hamster, je m'en fous. Ça s'échappe, ça dégage, hein.
Ça dégage. Oh, l'énigme, elle m'a rendu fou. Moi, restez calme, là, mais là, je garde calme. Mais ça m'a rendu fou. Je vous assure, elle m'a rendu fou, l'énigme. Voilà. Te revis ici, toi. Il va forcément tomber, le cul. Comment je m'échappe? Mais attendez, oulala, oh, ça m'a pas plu ce que j'ai vu là. C'est pas dehors, c'est un faux dehors. Je peux peut-être me servir de la lune aussi. Putain, mais ça pour une idée de merde, hein. Ça parce que j'ai décidé d'aller dehors. En même temps, on me donne tellement d'objets, c'est louche quand même. Il est parti où le cube? Il s'est fait avaler. Oh, mais attendez, mon cube là. Putain. Mais non, mais rends le cube, attends. Alors que, a priori, hein, y a genre 0% de chance que ce soit là. Hein. Parce qu'on a une porte, tout nous désigne l'autre truc, quoi. L'autre endroit. Mais parce que sinon, ce serait pas drôle. Non! Ah, c'est vrai que j'ai la canette aussi. Je l'ai jamais utilisée, mais j'ai la canette. Ah bah voilà. Bah voilà. Ah oui, il y a un truc. Voilà. C'est bon. Ça m'aura pris 15 minutes. Non, un peu moins, je crois. Je sais pas. Attendez, on va... Hein? Ah, c'est... D'accord. Ok. Joli schéma, hein. On a pondu un joli schéma là. Hein. C'est vrai architecte. Hein. Non mais pourquoi je... Non mais il y a un succès à choper, il y a un truc. Non. Ouais. Bon, elle est où ma porte? Putain, j'ai perdu ma porte. Attendez, elle est où la... Ah non. Attendez. Mais attendez, je l'ai mise où? Parce qu'à un moment donné, je m'amusais un peu, je voulais essayer de la placer. J'avais pas réussi. Donc elle doit être par là, genre. Elle est tombée dans une poubelle. Mais merde! Attendez, j'essaie de réfléchir à ce que j'en ai fait. Parce qu'à un moment donné, j'essayais justement de faire quelque chose avec. Pour moi, elle était... Je l'avais eu coincée genre là, moi. Pourquoi elle est pas là? Pourquoi elle est pas... Elle est où? Elle est où la porte? Où est-ce que j'ai mis la porte? Bon. If you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Voilà. Rappelez-vous, si on voit son parent, on le tape et on s'enfuit. Ouais, faut se rappeler que c'est son parent, par contre. On éteint les projecteurs, on refait le truc. Là, je sais où je l'ai rangé. On refait le schéma, on a dit. Ah bah, il est fait. Il est fait déjà. Ah bah, je ne ressors plus. Hein. J'espère que j'avais pas besoin de ressortir parce que je ne ressors plus. Ne soyez pas perdus. Ah, ils ont trouvé des bières. 3 ou 5 drèves par nuit. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un feu dans l'ascenseur? Ouais, non, mais il y aura pas de feu dans l'ascenseur. Hein, voilà. Elle est bizarre cette entreprise quand même.
quand même un peu chelou. Bon, on s'en est enfin sorti de ce niveau de l'enfer. Aïe aïe aïe. La gueule.